Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc pour ce qui est de ma chaîne YouTube, je vais déjà vous dire les infos. Par exemple ce qu'il y aura comme jeu, s'il y aura du roleplay, assez souvent pas. Donc voilà, je vais vous dire ça maintenant tout de suite, allez go. Sur ma chaîne YouTube il y aura du jeu, enfin ouais, des jeux. Sur Farming Simulator 15, Euro Truck Simulator 2, Spin Tier, le jeu de camion de forêt là, le jeu de motocross qui est sur Steam et que je ne sais plus c'est quoi le nom, et encore d'autres jeux. Si vous avez des jeux à me proposer, mettez-les en commentaire. Ma chaîne YouTube commence maintenant. J'espère que ma chaîne YouTube va vous plaire. Et pour ça, je vous propose de jouer un petit peu à Euro Truck Simulator 2. Déjà, je tiens déjà à remercier une personne qui s'appelle Alex, car c'est lui qui a créé ma chaîne. Un grand merci à toi. On va prendre le Scania et on prend 22 tonnes de pommes. J'espère que vous m'entendez bien. Je regarderai ça quand je... Enfin, voilà. Bref. On va allumer déjà le camion. Hop, on l'allume, on se met en première vitesse, on retire le frein à main et on est parti. Oui, comme je disais il y a quelques minutes, si vous avez des jeux à proposer, proposez-les. Franchement, je serais vraiment, vraiment ravi. Ce serait vraiment génial. Ce qui est de YouTube, je sais bien que c'est pas facile du tout de se faire connaître. Surtout quand on débute. Enfin, quand on commence. C'est vraiment pas facile. Je vais essayer de faire un max. Pour quand même pouvoir. Pouvoir faire assez bien de vidéos par semaine. Il y aura minimum, mais vraiment minimum, une vidéo par semaine. Ce sera vraiment très rare. Voilà. On va attendre que le feu là-bas soit vert, bel et déjà vert. On va attendre que tout le monde passe. On va encore attendre un petit peu parce que ils sont vraiment lents là-dedans. Parce que quand même sur l'autoroute, ils sont quand même en train de nous dépasser à une vitesse, je sais pas du combien, mais bon. On va essayer quand même de se... Je ne veux pas aller trop près du bus, sinon on va avoir une amende. Allez, go, on y va. On retire le frein à main. Et on tourne sans se prendre de crash, si c'est possible. Oh, je ne l'ai même pas touché. Lol. Allez, bref. J'espère que mes vidéos vont vous plaire. En tout cas, je vais faire un max. Voilà. En tout cas, je le dis encore une fois, mais je tiens vraiment encore une fois à remercier encore une fois Alex.
Parce que franchement, sans lui, je serais vraiment pas en train de faire une vidéo à cette heure-ci. Donc franchement, un grand merci à toi. Donc mon Facebook, vous l'aurez dans la prochaine vidéo. Comme ça, ce sera... Parce que là, pour l'instant, j'ai déjà un Facebook en page. Mais... Mais c'est pas encore le nom que j'ai mis sur YouTube. Voilà, tout simplement. Donc, si vous avez des jeux à proposer, ben, mettez-les en commentaire. Ou bien, vous pourrez les mettre sur Facebook, par exemple. Quand j'aurai déjà... Enfin, quand j'aurai mis le lien de mon Facebook dans la description. J'ai pas encore de compte Twitter. J'ai Skype. Voilà. Je m'en sers plus pour la team. Je sais pas pourquoi j'aime bien prendre des ronds-points. Ça qui est bien dans le jeu, c'est qu'il y a de temps en temps des ronds-points. Et ça fait réaliste. Donc voilà. Donc bien sûr sur ma chaîne il y aura du roleplay. Il y aura des... Je vais essayer de faire un max de vidéos par semaine. Donc grand max. 4 vidéos par semaine parce que vous savez très bien que c'est pas facile du tout de trouver des titres. Mais alors si vous pouvez aider, c'est génial aussi. Je ne veux vraiment pas du tout reprendre les titres que des youtubeurs ont déjà fait. Déjà rien que trouver un nom sur YouTube, enfin se trouver un nom perso à soi-même qui n'est déjà pas encore pris sur YouTube, c'est déjà vraiment pas facile. Parce que moi là j'ai dû chercher pendant des heures et des heures pour trouver un nom sur YouTube. Bon maintenant ça va trouver, mais voilà. Nous on va se rendre tout simplement là où on doit amener les pommes. Donc je vous rappelle qu'on a 22 tonnes de pommes. Et il reste encore 3h27 minutes. Enfin bon, pas en réalité, hein, dans le jeu. Parce que bon, en réalité, ce serait un peu fou quand même. Ici on va quand même ralentir parce qu'il y a un tournant assez dangereux. Surtout quand on a un camion, parce qu'un camion ça glisse. Donc, je vais aussi vous dire, je suis pas YouTube. Enfin, si je suis YouTubeur, mais je suis pas un YouTubeur comme Galax, Jouons dans le Pré, Benji Farmer, pas encore. Peut-être bien que ça pourrait peut-être bien arriver. Bon, maintenant, c'est vrai que je suis seulement qu'en train de commencer et il pleut. C'est déjà bien. Tout ça pour moi. Bah oui, bien sûr. Peut passer. Ok, merci. Normalement, il est obligé de me laisser passer, donc c'est vraiment bien fait. Ce jeu, je l'adore. Il est vraiment, vraiment bien fait. Par contre, sur la démo, je sais pas si on peut jouer en multijoueur de Euro Truck Simulator 2. Je sais pas si vous avez d'autres informations sur ce jeu de la démo. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je crois pas qu'on puisse faire de multi. Je peux encore essayer. Donc ici là on tourne à droite.
je déteste dans ce jeu quand il pleut. Parce qu'on n'y voit presque rien. Mais c'est vraiment bien fait, je trouve. C'est pas comme dans. J'ai rien du tout comme farming. D'ailleurs, j'adore ce jeu. C'est pas comme dans farming où c'est que là il fait tout le temps beau. Il pleut peut-être une fois par mois. Voilà. Tandis qu'ici, bon, on fait une mission. Vraiment, de temps en temps, hein, il fait beau. Et encore. Mais bon. Enfin, j'ai rien contre farming. J'adore ce jeu. C'est un bon jeu de simulation. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qu'ils auraient peut-être dû faire en plus. Ça, c'est comme tout le monde le pense, hein. Ils font déjà du très beau boulot. On va pas aller retirer leur envie de faire des choses comme ça. Des jeux assez bien faits. Pardon pour le gros coup de lag. Je suis vraiment désolé. J'ai pas un gros PC, ça va arriver bientôt. Si c'est une autre. Et il y a des travaux. Ça, ils viennent pas sur la route, donc ça va. Donc je sais bien que quand on débute, enfin quand on commence sur YouTube, on n'a pas forcément beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup de partages, beaucoup de commentaires. Mais si ça pourrait venir, franchement, les amis, là, je vous fais des vidéos. Je vous ferai des vidéos incroyables. Je ferai beaucoup de rencontres abonnés. Enfin, du moins, j'essaierai. Donc, voilà. Il y aura une rencontre abonnée tous les mois. Pas beaucoup de youtubeurs le font parce que ils ont tellement d'abonnés que s'ils devraient à chaque fois faire avec tous les abonnés, je crois que là, ils n'en ont pas que pour un. Ah, j'aurais peut-être dû m'arrêter. Remettre la licence. Parce que là, on est bientôt à court. Allez, plus que 2h22 minutes, on va dépasser ici. Et là, les amis, le jeu, là, il n'est même pas boosté à fond. Comme je vous l'ai dit, franchement, j'ai pas un gros PC. Mais j'essaierai d'avoir ça dans pas trop longtemps. Dans moins d'un an, en tout cas. Non, mais je vais bientôt en avoir un. On va essayer, il y a justement une compression. Non, même pas. C'est frontière, je crois. On va essayer de rouler en même temps que lui. Pour faire comme s'il y avait deux camions qui allaient arriver. Allez, go, go, go. On y va. On va essayer de rattraper ce camion. Attention, je passe. On est des fous. On vient de faire un petit accident là. En accrochage. Je crois pas qu'on va réussir à le rattraper, surtout s'il tourne à droite ou à gauche. Non, on va pas du tout ça, le rattraper là. Sauf si on tourne maintenant à droite. Hop, au moins le tournant est moins long. Je sais pas si ça vous le savez.
comme dans les jeux de course. Par exemple, Gran Turismo 6. Ben voilà, si vous tournez, enfin, si vous prenez plus le tournant plus court, forcément, ah ben, il tourne en droite. Dommage. Forcément, donc si vous prenez le tournant plus court, forcément, vous irez pas plus vite, mais plus vite dans la course, quoi. Pas plus vite en vitesse, mais plus vite arrivé, par exemple. Pour l'instant, j'ai pas encore trop de choses à vous dire. Vous savez bien que quand on commence, enfin, certains ne le savent pas, mais quand on commence sur YouTube, c'est pas vraiment facile de trouver des choses tout le temps à dire. Parce qu'on va pas tout le temps répéter tout le temps une phrase. Voilà, on sait bien que. Je crois qu'il y a un feu rouge. Non. Ici, c'est une zone 50. Ouais. Donc ici, nous, on continue tout droit. Allez, ici, c'est du 110. Donc super, maintenant il y a du soleil, il n'y a pas de pluie pour l'instant, enfin il n'y en a plus du moins. On va tourner en route maintenant. En tout cas, en réalité, je dois être bien de conduire la camion. S'il y en a qui le font, ce métier-là de chauffeur poids lourd, franchement, vous pouvez le dire en commentaire, franchement, vous pouvez peut-être même donner des informations sur... pour voir si le jeu est vraiment bien réel, on va dire, enfin plus proche du réel. Niveau graphisme ici, j'ai pas boosté à fond parce que sinon je lag comme un rat. Donc voilà. Au début, j'avoue que dans le jeu, je comprenais rien du tout. Enfin, si je comprenais quand même un peu. Mais je veux dire, niveau de vitesse, comment passer, les programmes et tout. Franchement, je connaissais rien du tout. Et là encore, je connais pas le jeu totalement. Même sur la démo. Mais ça va venir, ça va venir. Je ferai pas que des vidéos sur ETS2, bien sûr. Un jeu que j'aimerais vraiment bien retrouver, c'est Omsi, enfin c'est Bus Simulator 2. Franchement, ce jeu-là, je le trouvais magnifique. Et il n'y a pas beaucoup de vidéos dessus. Pour ça aussi, j'aimerais bien en faire. Parce que c'est un jeu que moi j'aime vraiment bien. Train Simulator, ça peut passer même si je connais rien du tout. Le train. Il y a quoi d'autre en simulation? Il y a le jeu de voiture. City Car. Bon. Je sais plus ce que c'est quoi. Il y a Pompier Simulator aussi. Il y a vraiment beaucoup de jeux en simulation. Ça qui est bien. Ceux qui aiment bien la simulation, ben. C'est cool quoi. Moi par exemple, j'adore les jeux de simulation. Bon, je suis pas tout le temps 24 heures sur 24 dessus, mais je joue quand même de temps en temps quoi. Donc ici, on va remettre de l'essence.
de l'essence, un peu. Je vais remettre pour 100 litres. Voilà, allez go. Tire le frein à main et on y va. Allez go, c'est parti. Il ne reste plus que combien de temps? 1 h et 9 minutes, ça va aller vite. On va y aller. On va pas rouler trop vite non plus, pas trop doucement non plus, parce que sinon ça ferait un peu cloche. Franchement, je sais pas ce que vous pensez vous de jeu ETS2, donc ce qui veut dire Euro Truck Simulator 2 pour ceux qui ne le savaient pas, ce qui m'étonnerait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi déjà rien que la démo, l'intérieur des camions, c'est vraiment vu, vraiment bien texturé et tout, c'est bien fait je trouve. Maintenant vous, bon, je sais pas ce que vous en pensez de la démo. Mais moi, en tout cas, rien que la démo, c'est déjà énorme. Parce que bon, des fois, on retrouve des jeux, c'est que la démo, ben, ça dure 10 minutes et après, c'est bon, tu peux désinstaller le jeu, quoi. Pourtant, c'est dommage. Mais bon. Pas de mec ici, TS2. Bah, t'as assez bien de mission à faire. Tu peux choisir la paye que tu veux. Donc, par exemple, c'était belge, c'était français, c'était allemand, c'était je sais pas, tous des autres pays. Mais tu choisis ton pays. Bon, maintenant, il n'y a pas tout le monde entier. Mais c'est déjà un bon jeu, je trouve. Pourquoi ça me fait des lags quand je passe Bon, en tout cas, désolé pour les lags. Vous inquiétez pas, je vais bientôt avoir un bon PC. C'est parce que là, bon, là, je commence seulement sur YouTube. Donc, franchement, voilà. On va tourner à droite pour ne pas prendre le tournant. Tourner à gauche plutôt. Maintenant on peut. Ah non, on tourne pas. On peut pas. Enfin on peut, mais après il y a la petite ligne là. Donc plus que 30 km et 29 minutes. Ça va aller vite. Enfin bon, moi je ne tiens pas à ce que ma vidéo soit courte. Hein. Moi je prends du plaisir à les faire, franchement. Quand je fais une vidéo, je suis pas en train de me dire oh, après il va falloir faire l'intro ou enfin bon, pour l'instant il n'y aura pas encore d'intro les amis parce qu'il faut que je trouve. Donc ça va pas du tout être facile. Je savais bien que j'allais avoir un accident, moins 400 euros, faut se pas nous qui payons. MDR, le type qui s'en fout. Mais si c'est une zone 70, maintenant c'est une 90. Ok, 2 mètres plus loin, même que c'est un ange. Ok, bref. Franchement, la vidéo, je vous dis, je prends vraiment du plaisir à la faire. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'intro, vous savez bien, je débute seulement, enfin, je commence seulement sur YouTube, donc franchement, c'est pas du tout facile de commencer. Après, quand on a déjà lancé et tout. Et que ça fait plusieurs temps qu'on est youtubeur, par exemple plusieurs années, mais là ça peut aller. Mais autrement, ben, voilà. C'est pas facile quand on débute. Enfin,
Enfin, quand on commence quoi. Donc ici là je continue tout droit. Ok, c'est ça. Ensuite je tourne à gauche, puis je prends à droite. Allez, c'est vert. Allez, go. Go, go, go. Paraît quand bien que le feu il va être rouge quand ce sera pour nous. Non, c'est sûr, c'est toujours quand ça aura la joue lavée. On va déjà mettre l'ordinateur, bien entendu. Ouf. J'ai bien cru que le camion là à droite il allait pas s'arrêter. Je sais pas si vous avez vu comment il est arrivé, mais il est arrivé à une de ces vitesses. Allez, go. On y va. Oh, il y a des petits lags. C'est parce qu'il y a Fraps qui est sur le jeu. Enfin, qui est en train de filmer. Donc, désolé. Enfin, c'est déjà mieux d'avoir des petits lags, vraiment très rarement, que d'en avoir tout le long de la vidéo. Encore un feu rouge. C'est toujours pour moi. Ah, quoique ben là, il est gentil avec moi, il est vert. Avance. Allez, on va tourner. Je vais pas me garer parce que sinon ça va être franchement, si je me gare, franchement, ça va vraiment pas être terrible. Donc voilà, pomme à livrer, Metz à Paris. Et ben voilà, les amis. Donc j'ai eu un bon travail, mission accomplie, distance parcourue 237 km, temps de transport 4 h 5 minutes, carburant consommé 118 litres, récompense de base 3477, expérience 237 XP, plus 104 euros. Moins 21 XP, moins 265 euros de dégâts de pénalité. Et ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo pardon, vous aura plu. La version de cette jeu se termine ici. Pour continuer votre trajet, vous devez activer le jeu. Ok, bon, je vais essayer de faire ça. Donc ben les amis, on va se quitter ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bien moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus les amis.